Ok, donc pour ce tour, déjà, on a besoin de 8 cartes. Comme je vous l'ai dit dans la petite introduction, donc on a des figures, déjà, donc 4 figures, un carré. Voilà, donc avec des rois. Ok ? Voilà, très bien. Je vais les poser, hop, juste là. Très visible, bien sûr. Et j'ai aussi besoin de 4 autres cartes qui sont en fait des cartes à points. Donc des 5 en l'occurrence. Ça aurait pu être des 6, des 7, des 8. Hein. Voilà. Mais là c'est des 5. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste hop, retourner le paquet et on va s'intéresser hop, juste ici aux cartes figures. Et on va laisser les cartes points juste ici. Ok ? Donc les cartes figures. Pour mémoriser un peu ce que je vais faire, je vais utiliser un personnage d'Halloween, un fantôme. Ok ? Tout le monde voit ce que c'est à peu près un fantôme. Oui ? Ok. Donc, je vais utiliser le fantôme, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je vais réaliser, c'est un peu une téléportation. Ok ? Donc, un fantôme, c'est invisible, bien sûr. Et le fantôme pourrait, si on le veut, si on le souhaite, téléporter en douce. Donc, sans qu'on le voit, deux paquets, ok. Je sais pas trop si vous voyez où je veux en venir, mais en fait, regardez, on va mémoriser ça, sous forme de fantôme, ok. Donc le fantôme, il tourne un peu autour, quand le magicien, il parle, et quand le magicien arrête de parler, il fait juste ça, et là, comme par magie, il téléporte les figures ici, et juste ici, les cartes à points.